Hey gardien et gardienne, c'est Rokar, j'espère que vous allez bien. Le thème de la vidéo aujourd'hui est comment et pourquoi farmer les nuits noires. Donc la raison pour laquelle je pense qu'il faut farmer les nuits noires péril, c'est tout simplement à cause des matériaux qu'on peut gagner à la fin des activités. À la fin de l'activité, on peut gagner des exotiques si on est dans une difficulté assez élevée, mais on peut surtout, c'est ce que je pense le plus important, gagner des matériaux d'amélioration. Donc on a les maîtrises d'amélioration, on a les éclats ascendants et on a les prismes ascendants. Donc tous ces matériaux, je sais pas si vous êtes familier avec, permettent d'améliorer soit des armes avec les matrices d'amélioration, jusqu'à les mettre en pièces maîtresses, et les armures avec les éclats ascendants et les prismes ascendants. Je trouve qu'il est relativement important d'avoir ces matériaux comme le prisme d'amélioration et l'éclat ascendant, vu que c'est les seuls à vous permettre de pouvoir améliorer votre armure jusqu'à tier 10 et passer en pièces maîtresses. Mais c'est surtout parce que actuellement il n'y a pas beaucoup de sources pour avoir des éclats ascendants ou des prismes d'amélioration. À part que le jugement d'Osiris, les chasses de l'Empire, et les nuits noires péril, ces trois activités, il n'y a aucune autre source qui vous permettront d'avoir ces matériaux. La deuxième raison pourquoi je parle de ça maintenant, c'est parce que Bungie a annoncé que la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du reset de mardi, on aura le double de récompenses sur les nuits noires péril. Si vous faites 1250, si vous faites 1280, peu importe la difficulté, vous allez avoir le double de récompenses, donc vous avez double chance d'avoir ces petites boules jaunes, qui sont les éclats ascendants ou les prismes d'amélioration, et du coup d'avoir beaucoup plus de récompenses. Même si c'est pas le meilleur assaut, je trouve que c'est quand même une bonne occasion, pour moi, une soirée, histoire d'avoir un peu de matériaux, pour pouvoir améliorer nos meilleures armures PVE, PVP, peu importe, pour pouvoir avoir des bonnes ressources. Aussi, une autre raison pour laquelle je pense que vous devez fermer les éclats ascendants, c'est-à-dire pour les anciennes armes exotiques, que ce soit les exotiques des anciennes extensions comme Renegat, Basson Écarlate, pas mal d'exotiques dans ces extensions sont quand même utiles. Je pense par exemple au Serment d'Eriana, à l'Anarchie, l'un des meilleurs exotiques du jeu. Tout ça, vous pouvez les avoir, mais il vous faut des éclats ascendants pour pouvoir les crafter. Donc pour les joueurs débutants, juste qui ne savent pas du tout c'est quoi les nuits en péril, c'est simple, ce sont des assauts avec des modificateurs. Des modificateurs qui vont en général nous désavantager, c'est-à-dire que les ennemis vont nous faire plus de dégâts avec telle doctrine, pénurie de munitions, donc on a moins de munitions que d'habitude, les ennemis nous lancent plus de grenades, les ennemis nous font plus de dégâts avec tel élément, et il y a plus de dégâts environnementaux. Il y a plein de modificateurs différents, ça dépend de l'assaut. La deuxième particularité de cet assaut, c'est qu'il arrive avec différentes difficultés, donc là cette saison ce sera 1180 pour adepte, 1220 pour héroïque, 1250 pour légende et 1280 pour maîtrise. Aujourd'hui, on va pas parler en particulier des noires grandes maîtrises qui sont à 1300 de puissance, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui pourra quand même s'appliquer aux noires grandes maîtrises. Donc, comme je l'ai dit, la chose principale qui change, c'est que la puissance est élevée, il y a des modificateurs, mais surtout, il y a des champions. Donc les champions, c'est une nouvelle unité d'ennemis qui est arrivée l'année dernière avec l'extension Shadowkeep. Et il y a trois catégories de champions. Les champions bloqueurs, qui quand ils subissent un certain nombre de dégâts, invoquent un bouclier qui les protège de toutes sortes de dégâts et régénèrent leur PV manquant. La deuxième catégorie de champions sont les champions implacables. Et ces champions, eux, ne régénèrent pas leur HP, mais par contre, ils ne subissent quasiment aucun dégât quand ils ne sont pas chancelés. Et la troisième catégorie de champions, que je trouve personnellement la plus relou du jeu, ce sont les champions surchargés. Non seulement le champion va se téléporter tel un Super Saiyan dans DBZ, mais de plus, il va régénérer ses HP. Mais quand je dis régénérer, c'est qu'il va régénérer constamment ses HP tant que vous ne le perturbez pas. Ce qui lui rend quasiment impossible à tuer si vous n'avez pas les munitions perturbateurs. Maintenant que je vous ai parlé des champions, on va parler de comment vaincre les champions. Donc nous revoilà sur mon artefact de saison. Donc l'artefact de cette saison, c'est le Croc de Xivoarat. Donc voilà personnellement les modes que j'ai sélectionnés sur mon artefact. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi. Moi je choisis revolver imparable, donc revolver imparable, ça va permettre que quand on va rester visé pendant un certain temps, ça va charger notre prochaine balle et ça va faire chanceler l'ennemi. Mais c'est surtout parce que le deuxième, c'est le fusil à pompe, et vous devrez être au corps à corps, quasiment. En nuit noire, vous voulez pas être proche des champions. Peu importe que ce soit les surchargés, les bloqueurs ou les implacables, vous voulez pas rester à côté des champions. Et les champions font super mal. Et si vous êtes en dessous de la puissance, bah vous allez quasiment vous faire one shot. Donc ça, ce mode, je vous le déconseille. Là on a le mode fusil à impulsion anti-barrière, donc quand on va tirer, ça va tirer des munitions perforatrices de bouclier, donc ça pourra traverser le shield du champion bloqueur, et ça va le perturber quand on va enlever son shield. Là encore une fois, moi j'ai choisi celui-là par rapport à celui au pistolet mitrailleur anti-barrière. Si vous êtes un peu bas en lumière, ou comme je l'ai dit, on est dans une activité qui est relativement dure, où les ennemis cognent beaucoup, moi je trouve que c'est pas une très bonne idée. Après vous pouvez quand même l'utiliser, ça n'empêche pas, mais c'est juste que moi je préfère utiliser un fusil à impulsion, je me sens plus safe et tout. Et pour finir, munitions surchargées sur le fusil éclair. Donc en gros, quand on va pousser plusieurs fois l'adversaire avec notre fusil
fusil éclaireur, ça va le perturber au bout d'un moment. Donc il va être stun, il va plus pouvoir vous attaquer, il va plus pouvoir se régénérer, et vous allez pouvoir le DPS comme vous voulez à ce moment-là. Donc encore une fois, j'ai choisi le mode éclaireur et pas le mode haut de fusil automatique, parce qu'en gros, le mode ne bug sur le fusil automatique, en tout cas il ne marche pas correctement. Je l'avais déjà dit sur ma vidéo secteur oublié, où c'est super galère de perturber un adversaire avec un fusil auto. Donc moi, concrètement, je vous conseille pas d'utiliser celui-là. Là concrètement, je vais pas vous conseiller de mode vu que c'est plus pour le PVP, sauf celui-là, je trouve qu'il est quand même utile, si vous pouvez le prendre, prenez-le. Là on arrive sur mangeur de puissance, ça c'est un mode super fort je trouve, en plus il ne coûte que 1 d'énergie, c'est un mode d'objet de classe, pas sur notre objet de classe. Et en gros, quand nous, notre allié va perturber un champion, en fait ça va nous permettre de récupérer instantanément notre grenade. Et ça c'est super fort, genre avoir notre grenade souvent en une noire c'est super utile. Parce que ça clear les ennemis, c'est utile contre les champions et tout. Mais le pire, c'est qu'on peut le combiner aussi avec ça en fait. Surcharge thermique. Les grenades solaires et stasiques provoquent une perturbation. Donc en gros, on va perturber notre champion en lançant notre grenade solaire ou stasique. Et on va la récupérer avec ce mode. C'est insane, genre ça veut dire qu'on peut constamment stun le champion perturbateur juste avec ces modes là en fait. Et le troisième et dernier mode que je vous conseille, si vous pouvez l'équiper, c'est butin de guerre. Donc en gros, éliminer un champion à l'aide d'un coup de grâce fait apparaître des munitions lourdes pour vous et votre escouade. Et là, franchement, c'est dommage qu'on peut pas mettre les trois en même temps, parce que bon, ça serait insane. En gros, ce mode est vraiment insane, parce que souvent ce qu'on a besoin dans les activités difficiles, c'est des munitions lourdes. Et là, on a clairement pas besoin de mettre de récupérateur sur notre lourde, vu que juste en éliminant des champions avec des coups de grâce, ce qui est relativement facile si vous l'avez perturbé avant, et ben on va pouvoir récupérer des lourdes. Et le pire, c'est que c'est pour nous, mais aussi pour nos alliés. Donc il suffit une ou deux personnes qui l'aient, et tout le monde en bénéficie. Ça, je trouve, ce mode, il est vraiment énorme. Donc là, comme vous le voyez, c'est un mode d'objet de classe, donc on peut pas équiper les trois en même temps, mais on peut faire quelque chose comme surcharge thermique et butin de guerre. Donc en gros, on peut quand même se perturber et surcharger, et récupérer nos lourdes. C'est aussi une combinaison très viable, je trouve. Donc là, je vous montre rapidement les modes que j'utiliserai sur une nuit noire. Donc n'oublie pas, surcharge thermique, mangeur de puissance, je vous ai dit, c'est une combinaison très forte. Et là, munitions surchargées, pour perturber les surchargés. Ensuite, je vais vous conseiller quelques armes que moi, je trouve sont très utiles sur les lignes noires. Après, vous n'êtes pas obligé de les utiliser si vous ne les avez pas. C'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser autre chose. Je trouve que ça a été les plus utiles, les meilleurs de la méta. Mécène des causes perdues, donc avec coup rapide et charge explosif. Que je trouve très très forte, parce que ça nous permet de faire des dégâts peu importe la distance à laquelle on frappe. Ici Gardenis, pareil, c'est quasiment la même arme, c'est l'arme du Gambit, donc c'est une très bonne arme aussi. Si vous avez fait le raid dernier vœu, vous avez peut-être ce rôle là avec Hors la loi et charge explosif. Encore une fois, je trouve que c'est un excellent éclaireur, c'est même peut-être meilleur que les autres en tout cas en termes de dégâts. Maintenant qu'on a fini avec les erreurs, passons au revolver. Donc ici on a le revolver d'officier de 7e Séraphin avec ambition assassine et effet retardé. Donc moi j'aime beaucoup cet effet, donc ça va coller aux ennemis des charges explosives qui vont exploser un peu de temps après, donc ça fait très très mal peu importe la distance, c'est comme charge explosif mais juste en effet retardé. On a le vieux jeu aussi avec charge explosif et démolisseur, j'adore ce rôle, ça c'est super fort je trouve. Si vous pouvez avoir un rôle comme ça ou vous avez quelque chose de similaire, ça peut être vraiment très utile. Et pour terminer aussi, on a le véritable prophétie. Donc je suis au courant, cette arme n'est plus droppable, mais si vous en avez un avec par exemple charge explosif et débordement, c'est excellent. Si vous n'avez pas débordement, c'est pas grave. Mais si vous avez un rôle similaire, ça reste très correct. En revolver énergétique, on n'a pas grand chose de très intéressant, je trouve. Moi, je pense personnellement à Postérité. C'est un très bon revolver maintenant que les 180 ont été up et qu'ils ont plus de munitions. Et là, par exemple, j'ai Reconstruction, Démolisseur. C'est un rôle super fort. Là, on a encore une fois, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, on peut avoir jusqu'à 32 balles. Donc, ça reste très très fort. Et là, on arrive sur une arme complètement à part, vu que c'est un exotique. Et là, on va pas utiliser pour perturber les ennemis, mais plutôt pour utiliser des munitions perforatrices. Cette arme, elle a regard mortel. Donc, elle a des balles qui tirent de base. Des munitions perforatrices, on n'a pas besoin d'équiper de mode perforatrice. Et cette arme, elle est excellente en plus si vous avez le catalyseur, parce que le catalyseur, en gros, ça va fonctionner comme un holster de recharge. Donc vous tirez avec cette arme, vous la rangez, et au bout de quelques secondes, elle va revenir full. C'est vraiment une des meilleures armes sur les activités style nuit noire, secteur oublié. Donc franchement, si vous l'avez pas essayé de l'avoir, mais elle est vraiment, vraiment géniale. Donc maintenant, on va passer aux impulsions. Donc moi, ce que je trouve pas mal aussi, c'est le pluie de confusion. Donc c'est le deuxième impulsion qu'on a eu avec l'extension Beyond Light, qui est, je trouve, super cool. Bon, c'est vraiment pas le meilleur, mais il est quand même très très cool à utiliser. Ensuite, on a le refus catégorique. Donc ça, c'est une arme qui est sortie la saison d'avant, avec la saison de l'arrivée. Il y a pas mal de paires qui vont très bien avec cette arme. Par exemple, on peut avoir
chargeant multimortel, on peut aussi avoir fier à bras. Mais ce qui est bien sur chasseur de tête, c'est qu'en gros, on va pouvoir faire plus de dégâts quand on va faire des tirs de précision qu'on aura tiré au corps. Et là, du coup, c'est très utile vu qu'on pourra faire des dégâts même si on n'a pas éliminé d'ennemis avant comparé à multimortel ou fier à bras. Là, on se retrouve encore une fois sur une arme du raid dernier vœu, donc c'est Os Bavard. Donc si vous l'avez, il a chargeur mortel et réserve à impact EV. Moi je trouve que c'est un très bon appuyant, donc si vous l'avez, je vous recommande de l'utiliser. Dans le slot énergétique, là on a la perdition finale. Donc là j'ai pas le meilleur rôle PVE. Par exemple là aussi on peut avoir chargeur mortel, donc je trouve que c'est vraiment beaucoup plus utile que moment zen, vu que là c'est plutôt un rôle PVP. Mais ça reste une très bonne arme quand même pour pouvoir faire les nuits noires ou les activités un peu plus élevées. Et dans la même catégorie on a le fusil Gian 7. Donc cette fois il est pas abyssal mais il frappe cryo-électrique. Donc là encore une fois je trouve que c'est une bonne arme. Donc là j'ai peut-être pas le meilleur rôle mais j'ai quand même boucherie. C'est un des rares fusils à impulsion, voire le seul fusil à impulsion et cryo-électrique actuellement. Donc je vous le recommande pour les noirs. Donc maintenant on passe rapidement sur les pistolets mitrailleurs. Donc moi personnellement je vous avais dit que je préfère utiliser les fusils à impulsion, mais si vous utilisez des pistolets mitrailleurs, il y a le front froid. Donc j'avais déjà parlé de cette arme sur une autre vidéo, qui peut dropper avec libellule. Donc c'est je trouve insane personnellement. Donc clairement vous pouvez, si vous en avez un avec ces rôles ou vous en avez un avec un autre rôle, vous pouvez clairement l'utiliser en nuit noir. Vous avez aussi le tir de friction, donc c'est tout simplement le pistolet mitrailleur qui est sorti cette saison. Donc là par exemple moi j'ai un Godroll je trouve, j'ai détecteur de menaces, boucherie. Donc personnellement moi je trouve que je préférerais quand même utiliser le front froid, mais si vous voulez un pistolet mitrailleur dans la slot cinétique, vous avez cette arme. Dans le slot énergétique, ça va pas être compliqué, il y a juste que deux SMG. Actuellement c'est toutes les deux des armes cryo-électriques. C'est l'Icelos PMV1.0.2. Donc moi par exemple là j'ai détecteur de menaces, une des meilleures rôles sur le pistolet mitrailleur. Et encerclement. Donc elle était disponible dans la saison de l'arrivée, la saison d'avant. Si vous l'avez pas, je pense que vous pouvez quand même le redrop chez les marchands, parce que c'est encore possible. Plein de rôles possibles, il y a aussi démolisseur, c'est une très bonne arme overall. Avant de passer sur le slot lourd, moi j'aime beaucoup cette arme, le trésor asséché. C'est l'un des seuls lance-grenades en spécial, et c'est le seul lance-grenade cinétique actuellement. Avec son kite taser, elle a aussi une sorte de holster de rechargement, c'est-à-dire vous rangez l'arme, elle se recharge automatiquement au bout d'un certain temps, vous pouvez la réutiliser. Et cette arme, franchement, elle fait pas mal de dégâts. Moi je vous conseille franchement, si vous l'avez pas, vous aimeriez bien avoir un lance-grenade spécial en cinétique, d'essayer de la drop. Et maintenant on arrive enfin au slot des lourdes, donc là ça va pas être très compliqué. Si vous êtes nouveau joueur, vous ne l'avez probablement pas, je suis désolé, mais c'est l'anarchie. L'anarchie c'est vraiment l'un des exotiques les plus forts du jeu, voire le plus fort. En gros c'est tout simplement parce que vous pouvez placer des grenades qui s'accrochent à la surface du sol et aux ennemis, et ça va faire des dégâts en continu. Le délire avec ça c'est que vous pouvez switcher sur votre spécial ou avec une autre arme et quand même infliger des dégâts avec celle-ci. C'est-à-dire que vous pouvez faire des dégâts avec l'anarchie et en même temps faire des dégâts avec une autre arme. Maintenant on arrive à un exotique que je pense que vous avez plus de chances d'avoir, c'est l'épée Lamentation. Donc cette épée fait partie d'une quête, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Donc cette arme quand on maintient la touche X, pour moi du coup c'est la garde, ça fait chanter la lame. Et du coup quand on attaque tout en maintenant la garde, on va infliger des dégâts supplémentaires et on va pouvoir ajouter l'effet perforatrice de bouclier. Donc du coup cette arme elle est très utile parce qu'elle fait super mal, mais aussi parce qu'on va pouvoir perforer les shields des champions. Donc ça c'est super cool. Et encore une fois comme je vous l'ai dit, en nuit noire on essaie de pas être trop proche des ennemis parce qu'on peut se faire one shot. Et malheureusement avec une épée, eh ben, il faut être proche. Donc si vous êtes trop bas en lumière, je vous déconseille de l'utiliser. Mais si vous êtes suffisamment en lumière, vous êtes au-dessus, vous pouvez carrément l'utiliser, aucun souci. Ensuite on a la meilleure épée légendaire, c'est-à-dire la guillotine actionnée. Cette épée a droppé la saison dernière sur la saison de l'arrivée. Donc elle a armature à vortex, c'est-à-dire que quand on fait un clic droit, notre gardien va se mettre à la toupie et frapper les ennemis qui sont autour. Donc cette arme elle fait super mal. Donc encore une fois, cette arme, si vous ne l'avez pas, je pense que vous pouvez la drop sur un marchand style Banshee, Shax et Zavalash, si je dis pas de bêtises. Je sais plus exactement, mais elle est pas très compliquée à drop, et même les rôles que j'ai eu, le God Roll, c'est pas très compliqué aussi à avoir. Et pour finir dans le slot des lourdes, on retourne sur un lance-grenade. Donc un lance-grenade que moi j'ai droppé à la saison de l'arrivée avec cartouche de clown, démolisseur et surtout grenade à pointe. Grenade à pointe, ça permet de faire beaucoup plus de dégâts aux adversaires. Donc en gros, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce lance-grenade, mais si vous en avez un autre avec grenade à pointe, ça fera largement l'affaire. Donc sur Titan, moi je vous conseille d'utiliser la doctrine abyssale avec la voile du haut, c'est-à-dire la bulle, ou la voie du milieu, qui permet de protéger vos alliés et de faire des dégâts en même temps. Si vous êtes arcaniste, je vous conseille d'utiliser la voie du milieu. C'est concrètement la meilleure pour pouvoir healer vos alliés, les soutenir avec une faille plus souvent, une grenade qui les shield. Concrètement, c'est la meilleure doctrine à utiliser. Et non, vos Novas sont cool, hein, mais ça aide personne. Et en chasseur, je pense que la meilleure doctrine que vous pouvez utiliser, c'est la voie abyssale.
et soit la voix du haut, soit la voix du bas, pour en gros entraver les adversaires et pouvoir permettre à vos alliés et à vous de faire plus de dégâts aux ennemis. Et voilà, maintenant vous savez tout sur comment faire les nids noirs. Sachez que tous les conseils que je vous ai donnés peuvent aussi s'appliquer pour les nids noirs grand maître, c'est juste que ce sera un peu plus dur, il faudra être un peu plus opti sur quelques petits détails, sur les modes et tout, je suis pas allé en profondeur sur ce sujet-là. Si vous voulez un jour que je fasse une vidéo sur les nids noirs grand maître précisément, bah j'en ferai une, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez été utile, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre, c'est-à-dire conseils, guides sur des quêtes exotiques, je couvre pas mal de sujets, donc si vous voulez voir des vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'habitude, moi je vous dis bonne journée, bon gaming, à la prochaine, ciao! Hollywood perfect. Ain't got no place to come.